Est-ce que Myrtille est une taupe? Est-ce que Tip-Tip est une patate? Des questions préparées par les enfants de l'école maternelle Jean Massé et posées ce jeudi matin à Alain Chiche. Invité dans le cadre du Zinc Grenadine, cet auteur-illustrateur a ouvert en avant-première les portes de son univers, face à lui de jeunes lecteurs pour le moins avertis. C'est quoi toi ton histoire préférée d'Alain Chiche? La glace à la grenouille. Myrtille. Ça raconte quoi, Myrtille? Myrtille a pas de lunettes et ses amis l'amènent chez le docteur. Et après, le docteur, il ramène et il donne des lunettes pour qu'il voit bien. Un public frais et spontané, au contact des enfants, l'auteur se régale. Vous voyez aussi que le texte, il est dans le livre seulement. On n'écrit pas le texte sur le dessin. Donc ça, c'est fait avec des crayons, un pinceau, sur du papier. C'est un dessin comme vous, vous faites un dessin au début. Ils n'ont pas de jugement de valeur comme peuvent avoir les parents, donc on se rend compte tout de suite s'ils accrochent au sujet, aux images ou pas. C'est vraiment une rencontre dans tous les sens du terme, puisque on parle bien sûr de nos livres, on présente notre métier, ce que l'on fait, mais aussi c'est un moment privilégié pour les classes, pour les enfants, pour qu'ils découvrent la personne qui est derrière ces livres, justement. Auteur, illustrateur, graphiste, peintre, Alain Chiche est un touche-à-tout. L'expression artistique s'impose chez lui comme une seconde nature, une créativité marquée par le sceau de l'enfance. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on est des grands-enfants, on a une part d'enfance un peu plus grande que monsieur tout le monde, peut-être, et c'est ce qu'on a envie d'exprimer, de partager, donc, surtout. En voiture Tip-Tip, l'escargot à roulette, un petit monde à découvrir à l'occasion de la fête régionale du livre jeunesse qui se déroule tout au long de ce week-end au port d'Épinal. Voilà un drôle d'animal, se dit-il, il a bien quatre pattes.